Police judiciaire, inspecteur Connard, vous nous avez appelé pour un cambriolage. Mais oui, là, il vient de partir à l'instant. Ah. Il m'a volé toutes mes montres et les bijoux de ma femme. Et vous dites comment il était? Ah, il est grand, brun, costaud, vraiment une sale gueule. Grand, mais comment? Mais il est super grand, il est immense. Ah, il est parti par là? Oui, oui, là, il vient de prendre les escaliers, allez. Bon, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Police! Est-ce que vous auriez pas vu un grand? Ouais. Qu'est-ce que... Non, non. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Vous pouvez circuler. Alors, c'est des pros. J'ai rien pu faire. Ils ont certainement dû bénéficier de complicité. Probablement la filière turque ou russe. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, alors? Non. Rien. Ah si. Vous avez porté plainte au commissariat. D'accord. Ouais. Je sais, c'est rageant, mais... qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, ils ont gagné la première bataille, mais ils gagneront pas la guerre. Connard les aura. J'irai les chercher jusque dans les chiottes. Vous pouvez faire confiance. D'accord. Écoutez, j'ai touché à rien. Si vous voulez prendre des empreintes digitales, des photos, des empreintes de l'ADN, comme à la télé, j'imagine. Ah oui, mon gars, on n'est pas comme à la télé. Là, c'est Connard et c'est la police. Ne vous en faites pas. Connard a quelque chose que la télé n'a pas. Connard, c'est le pif. Oui, c'est le pif et la tête. Ça détend. Écoutez, est-ce que vous pourriez me rendre un petit service, s'il vous plaît? Bien sûr, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous pourriez m'indiquer où sont vos... Mais vos... Vous savez... Ah, mes cabinets! Voilà. Oui, bien sûr, c'est juste à gauche, là. C'est par là? Oui, je comprends. Ah, merci. Est-ce que vous auriez l'équipe?